Et vous savez que le vide est dangereux, on peut tomber dans le vide. Ah! Vous avez déjà ramassé un grand tas de pommes de terre. On les met dans un grand sac. On prend la biseille. On fait un gros nœud. On serre très fort. Et voilà, deux sacs remplis, bourrés à craquer de pommes de terre. Le paysan n'en revient pas. Merci beaucoup. Et voici les voiles de mon bateau. Ensuite, on s'occupe de la coque. On élève le franc-bord à gauche et à droite. Enfin, pardon, à bâbord et à tribord. C'est comme ça qu'on dit en termes de marine. Quand vous vous retrouvez dans cette condition-là, il faut manœuvrer avec prudence. Seulement au dehors, ce n'était plus une tempête qui soufflait. Non, c'était un véritable ouragan. Allez-y, soufflez l'ouragan. Ah ! Je n'y vois rien. Je suis aveuglé par les ombres. Je ne sais plus où est le nord, le sud, l'est. Le grand mât, entraînant toute la voilure, s'est brisé net et il a coulé au fond de la mer. Le bateau lui-même a coulé fortune de mer. Hey, pique la baleine, j'en ai baleine, pique la baleine, j'en ai baleine, pique la baleine, j'en ai baleine, pique la baleine, j'en ai baleine. Des mers du Nord, aux mers du Sud,